Mesdames et Messieurs, mauvaise nouvelle pour ancien sénateur l'Ouesta, Antonio Cherami dit Don Kato. Eh bien, dans le moment d'en parler là, barbecue mettait la patte sous ancien sénateur. Barbecue te guettant dit, quel que soit ancien ou bien nouveau fonctionnaire l'État, qui depuis où tu es passé dans l'État, où tu mettais pays à salier là, la privé sous, eh bien, barbecue rivé sous ancien sénateur l'Ouesta. Eh bien, dans le moment d'en parler là, vive ensemble, à vivre avec et ancien sénateur l'Ouesta, Antonio Cherami. Eh bien, côté yo, entre la Kaili, yo aller avec lui. Eh bien, jusqu'à présent, pour qu'on ait monde qui connaît, est-ce qu'il est vivant toujours? Mais information qui a circulé, c'est que ancien sénateur a été trouvé en grande difficulté dans le moment dans mes petits messieurs vivent ensemble. Eh bien, nous pas gagné et pour nous dire mauvaise nouvelle parce que là nous connaissons dans quelle situation avec ça au mettez pays a nous gain pour nous dire ça sont bonnes nouvelles parce que nèg ça pas gain pitié pour pays a et l'autre bord CARICOM gitan choisi sept monde qui pour diriger pays a est-ce que Guy Philippe parmi sept monde ça yo était là nous gain tout détail yo nous gain son nous gain image oublier que sur Haïti Info 9 toujours dire ça quel que soit côté information à la minute qu'elle tombe n'a porter le ballon bon petit mamite c'est pour ça au gain pour abonner, liker, partager. Eh bien, j'aime dire non, mesdames et messieurs, Antonio Cherami, nous connaissons qui était sénateur, yon ennemi farouche, gouvernement PHTK, Jovenel Moïse, et Michel Martelly, eh bien, yon ennemi farouche, peut pas ici en tout, parce que nèg sa yo pa kite président Jovenel Moïse fait an yen. Eh bien, jodi a la révolution a rive directement la caille Antonio Cherami dit Don Kato. Eh bien, nan mouman a parlé là, Antonio Cherami nan men timise vivant sans mieux. Bon, invitez nous en de audio sa, mesdames et messieurs, nan après tout nan pour nous capables continuer ba ou information aux gens ouya sous Haïti Info 9. La société comment nous y est, nous avons avec nous jeudi à une nouvelle émission sur mes sacs nouvelles, Blaise Info pour une nouvelle. Avec nous, collaborateur, nous Désir Venesse. Mais laissez-moi dire nous, selon pile l'information qui a joint moi là, moi-même ici là, Désir Venesse, mes sacs nouvelles. Et mon capot information ça va nous, c'est des mouns qui ont fait crédit. Il y a un pile disposition qui a pris là pour que le conseil présidentiel 7 mois blanc capable d'installer soit dans fin week-end non, ou dis-moi si dans le commencement de semaine qui a venu là. Vous bien? En pile disposition déjà prend. Apprends là. Pour que arrêter à ta sortie. Bon, bah, on est comme après les saillons même. Et document officiel l'a sorti. Bah, bon, dit le consabito. Bah, vous dit arrêter. Mais document officiel l'a sorti. À soir samedi, il y a possibilité pour le sortir. Et pour dimanche cap exactement 17 mars là, pour t'a installé conseil là. Sinon, dans la semaine qui vient, on va mettre ça, il y a installé conseil là. Mais pas oublier. Deux dis nous ça. Conseil, ça prend l'État, le conseil présidentiel, ça. Li pas conseil, peuple haïtien. Li c'est conseil CARICOM. Li c'est conseil communauté internationale. Li c'est conseil l'Occident. Li c'est conseil qu'on groupe l'oligarque corrompu. Li c'est conseil anti-classe, clique la politique. Là. Mais pas conseil mon kafou feuille. Li pas conseil mon Mariani. Li pas conseil mon kafou. Parce que je dis, en pile de moun dit, en pile d'observateurs dit que moun qui t'a goumé dans l'arrière, qui t'a pris gaz, qui t'a pris balle, qui n'a marron, qui prend prison, et bien au même yore jodi à la qui est représenté dans le conseil ça. Et yon même dit que est-ce que c'est 7 membres, 8 membres qui va résoudre le problème qui est là? Nous allons regarder ça avec Desi Venesse et avec un invité qui est très 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 important et nous allons regarder ça. Pas oublier que CARICOM clair, États-Unis clair, que Guy Philippe pas capable dans le conseil ça. Parce que les condamnés, les si, les ça, les dates, et tout dit que Philippe en a fait moun. Désir Venesse, comment est-ce qu'il vient avec invité? Merci, personne. Encore une fois, bon, nous disons que nous sommes en forme, nous comptons pour nous rejoindre. Nous. Mathieu, dans l'idée pour permettre qu'il vienne partager ensemble de ça qui gagne, comme information, vienne analyser, surtout ensemble des données qui gagne ou blessent personne. Bouleverse, ça passe suspendre, dans le niveau capital PIA, pendant la police, dans le niveau PAL, à prendre disposition. Mais monsieur, vive ensemble, yo dit, yo pas baisser les bras, y'a continué à goumer, dans l'idée pour changer système, non. Et ça permet, en pile monde, à plonger dans une situation qui est difficile. C'est pour ça, gagne l'idée, en réfléchit pour est-ce qu'on cap créer un couloir humanitaire qui permet que les gens traversent en République dominicaine pour venir porter support avec Haïtiens qui sont en danger. C'est comme ça tout, gagner autorité américaine qui décide de choisir un vol chatter pour venir dans le pays
pour venir chercher des citoyens américains qui ont des passeports américains qui valident, mais c'est dans la zone cap haïtien, il y a presque capable de rencontrer avec Mounsao pour prendre pour aller aux États-Unis avec eux. Sans doute, il y a abandonné le pays pendant fin de la guerre, dans problème tête chargée, et c'est pendant il y a arrangé à travers le conseil qui va le mettre là pour la communauté internationale à continuer rendre que problème que vous mettez là, continuer à faire chemin dans le pays à la situation. Sans doute, invité que nous gagnons, li à la hauteur, nous pouvons regarder à li, comment comprendre la situation, imposition que la communauté internationale, particulièrement CARICOM, à le département d'État a fait peuple ici en Blesse-Peterson. Bam tout garder ça, mais lui, cher Jean-Joseph, n'a pas dit bien, nous habitué par la veille déjà ici, la main. Lycée, on n'a pas mis avocat Guy Philippe Guéyo, mais lui, cher, comment on est gué? N'a pas dit bonjour, bonsoir le monde, et n'a pas salué tout panéliste émission, et nous dit encore. C'est un plaisir pour nous ensemble avec nous à soyez là. Mais Lucien, bon, tu poses une question ça parce que il concerne ou même comme avocat Guy Philippe et n'a regardé le conseil, n'a commencé là avec comme ça. Là côté des nouvelles que autorité américaine yo et même CARICOM, yo posé des balises pour que on monte Guy Philippe pas et faire partie conseil présidentiel là par rapport avec que ça ou ta reproché. Qui première réaction sur ça mais Lucien Jean-Joseph? Juste avant même que moi aller sous dossier CARICOM là, et pas même qu'à du communauté internationale là, nous du communauté occidentale là, parce que pour parler de communauté internationale, faut que la Chine t'a prend part, faut que la Russie t'a la donne, et faut qu'il y ait d'autres pays qui fait partie là. Donc je dis, on nous dit c'est communauté occidentale là, c'est pas communauté internationale là. Ça c'est une rectification que moi peut-être pour. Et deuxièmement. Très bien. Nous avons dit que le sénateur Guy Philippe a été condamné, il n'a pas qu'à faire partie du conseil présidentiel. Bon, clair, ensemble avec nous. D'ailleurs, nous autres Haïtiens, sous droit, nous, c'est romano-germanique. Sous droit américain, c'est common law. Donc, même si que nous avons traité d'extradition avec les États-Unis, nous croyons qu'en matière de crime transnational, il faut que nous ayons jugement qui prononce contre moi dans le pays, moi, puisque c'est un crime transnational, nous avons entamé la procédure d'extradition hein, pour au moins mal répondre à une question dans le pays. Mais, est-ce que nous autres Haïtiens, nous spécifions au quelconque traité d'extradition avec les États-Unis? Non, le pourquoi? Si nous regardons l'article 8-1 Constitution noire, il dit que le territoire national ne peut être violé par aucune convention. Nous regardons l'article 276 Constitution, il dit que Haïti ne peut ratifier en aucun cas, aucun traité, aucun accord, aucune convention qui soit placée au-dessus de la Constitution. D'ailleurs, c'est une forme de dualisme qui veut que la Constitution, en tant que tableau mère, soit placée au-dessus des traités, accords et conventions. Et là, il y a l'article 41 Constitution. Il dit on ne peut pas forcer aucun Haïtien quitter le pays pour quelque motif que ce soit. On ne peut pas priver pour des raisons politiques de sa capacité juridique. Article 24 Constitution dit que le droit à la liberté individuelle est garanti et protégé par l'État haïtien. Sur ce, automatiquement que on viole tout droit à yon, démarche que va faire pour ta condamner X ou Y nul et de non avenu. Et arrivé aux États-Unis, l'on dit que va condamner au monde pour blanchiment des avoirs. Il faut qu'il y ait des preuves. Est-ce que y ont joué les fonds, sénateur Guy Philippe? Non. Est-ce que y ont saisi le sénateur Guy Philippe? Non. Donc c'était un complot que le sénateur a été pris en complicité avec des politiciens qui pavent les pays à marcher, qui marrent dans le pied de groupe, son groupe raqueteur, qui le groupe Tétio, et ambassadeur qui le groupe Tétio, qui le tête au groupe, ensemble avec le pays CARICOM, et puis qu'on a joué qu'on nous capable de faire nous des lois. Bon, je vais vous dire. Au niveau CARICOM, c'est seul nous autres Haïtiens qui sommes indépendants. Okay. Pas aucun pays membre de CARICOM qui est indépendant. Pas oublier que l'accord que nous signons avec CARICOM, c'est un accord de coopération économique. Okay. Nous pas signé aucun accord sur le plan juridique avec CARICOM, sur le plan défense avec CARICOM. Donc, décision pas des droits sortis, ni dans l'international, ni dans CARICOM, sinon la nulle de non-avenir. Le pourquoi?
C'est une solution à la haïtienne que nous avons cherché. Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Haïti, pas pour CARICOM. Haïti, pas pour communauté occidentale. Mais Haïti, c'est pour Haïtien. C'est Haïtien qui prend des stéréos en main. C'est Haïtien qui le choisit. Monde qui pour mener pas transition pour nous aller vers les élections libres, honnêtes, démocratiques et inclusives. Dans tout le message, ça. By communauté occidentale là, okay. Avec soi-disant pays CARICOM yo. Comme yo dit que yo tire à ce que vous avez installé yo mette 7 têtes au niveau palais national au détriment peuple haïtien yo, sous 100 peuple haïtien et bien nous mêmes nous prêts pour génocide là. Laisse ça, communauté internationale la loi qui moune qui a financé génocide en Haïti. Parce que l'hypocrisie, ça a été éclaté au grand jour. Ouais, qui ça a fait? Il a pris tout ressortissant, parce que tellement qu'on a planifié pour Haïti, il a pris tout ressortissant et a demandé tout le monde qui habite zone frontalière. Comment c'est bloqué frontière? Moun pas entré, moun pas sorti. Et espace aérien, nous sommes très très chaud. Donc, je suis venu là, parce que l'île est temps pour Occident et au groupe. On nous dit encore oligarque corrompu avec des politiciens qui marient dans la table et communauté occidentale. Si vous comprenez que vous avez installé un gouvernement là, sans avis propre haïtien, c'est bien compté, mal calculé. On avance les yeux. Nous parlons plus loin. Je dis que Guy Philippe c'était un condamné. Ok. Trump a plus que 47 chefs d'accusation. Je t'ai investi capital là illégalement. Mais je dis, Trump prend l'élection. Pour que ça même carré comme ça, pas dit Trump pas dans l'élection. Dilma, tu es en prison au Brésil. Ils sont passés 6 ans là. Lula se fait 600 jours en prison. Mais c'est lui qui est président au Brésil. Nelson Mandela t'es condamné à perpétuité. Après, il vient de faire 30 ans en prison. Jusqu'à présent, là, c'est pendant Nelson Mandela. Oui, il a retiré non dans la liste terroriste. D'accord. Donc c'est pour montrer que je dis que c'est pas international là qui peut établir des balises pour nous. C'est nous autres haïtiens, c'est nos constitutions noires. D'accord. C'est nos codes pénal noir pour nous dire X ou bien Y pas éligible pour aller dans l'élection. Et pas oublier, code pénal haïtien te dit, faut qu'on aille en peine affective et infamante. Qu'on y a là, est-ce que c'est code pénal américain qui l'applique en Haïti? Ou bien c'est code pénal noir? Or, pas oublier tout traité ou convention que Haïti, qui légalement signé par Haïti, ouais, ont tout yon supralégal et infraconstitutionnel. C'est-à-dire que pas aucun balise qui t'a empêché sénateur Guy Philippe Jodiala pour le représenter pays. Dans un conseil transition qui a bien pour mener bas pays vers les élections. Ok. En avance. Très bien, Maître Lichère. Non, ça qui a demandé à l'encontre de Guy Philippe, pour malgré qu'il y ait un conseil de trois membres qui réveille là à quatre diverses autres partis politiques, décider, choisir Guy Philippe comme président. Mais c'est avec balise que CARICOM mettait et département d'État à travers porte-parole, il est clair, il dit que Guy Philippe n'est pas qu'à faire partie pièce conseil présidentiel transition qui est pour venir assurer le pays. Ou même comme avocat, est-ce que ou gagne les mots du doigt pour continuer à défendre Guy Philippe par rapport avec ensemble des balises qui vous mettez à l'encontre de l'IA? Écoute, oublie, nous sommes dit déjà, Haïti c'est un pays libre et indépendant. Nous pas signé aucun accord d'extradition avec ni X ni Y. Nous pas signé aucun accord avec l'Occident pour une vraie décision pour nous. Décision que nous devons prendre pour le peuple haïtien, c'est une décision à l'haïtien que nous devons. D'ailleurs, mon Dieu, combien de pays ne CARICOM qui libre? D'accord? Parce qu'il y a un équilibre, il y a tout sous contrôle métropole. Qui est-ce qui a dirigé? C'est l'Angleterre, c'est la France, c'est les États-Unis. C'est seul Haïti, mais qu'un groupe qui libre. C'est Haïti qui a pris une décision pour qu'un groupe. C'est pas qu'un groupe, excusez-moi, pour CARICOM. C'est Haïti qui a pris une décision pour CARICOM.
C'est pas CARICOM qui a pris une décision pour Haïti. C'est pas le département d'État qui a décidé pour Haïti. Eh bien, c'est depuis 50 ans, il y a décidé pour Haïti. C'est ça qui mettait nous côté que nous y est là, je veux dire. Il y a des politiciens véreux, d'accord, sans scrupules, sans scrupules, sans honneur, sans gêne, qui c'est des gringouilleurs, des politiciens qui appellent politique du bas-ventre ou encore politique d'estomac pour venir installer. Mais je veux dire, dans la ville, 2024, pas 2004. Peuple haïtien grandit, peuple haïtien assez formé, nous connaissons ça qui est bon pour nous et nous connaissons ça qui est bon pour nous. Pas oublier, international, là. Depuis où est international pour y aller, parce que beaucoup pays. Ok. D'accord. Pas de aucun critère que international a établi pour dire mais X ou bien Y qui vous vivez président d'Haïti. Si on veut que faire après le monde, ça va pas les aller aux États-Unis. Pas oublier que mon Dieu, que Trump a 47 chefs d'accusation sous tête. Qui paye une CARICOM qui a osé dire Trump par une élection? Qui monte de quoi groupe qui a osé dire Trump par une élection? Parce que vous-même, vous dites après d'affaires pays. Si après d'affaires pays, nous-mêmes, nous rippons tout pour nous régler affaires pays. Et ma vraie dire encore. Si on pensait que, comme nous sommes dit tout à l'heure, nous planifions très bientôt le diable installer le conseil là, on nous suit, si nous sommes prêts pour faire génocide là en Haïti, nous mettons installer le conseil là. Laisse la communauté internationale là. Après, elle comprend, je dis, mais qui ça que l'organisation occidentale là avec CARICOM voulait faire avec le pays. Mais nous autres, nous toujours là, nous prêts et nous attendons. En pile dispositif après bon côté la police tant coup et ailleurs soit samedi et pour vendredi pour ouvrir samedi nous tout cap constater que la police est plus que déterminée dans zone Delma Badelma Delma 6 Delma 8 pour mener des opérations à l'encontre des petits messieurs vivants sans mieux qui gen zam nan mayo qui rend que Ariel Henry li bay une démission forcée et ça c'est des signes qui montrent au moins gros travail qu'a fait pour conseil la vin installer toutefois un conseil la ta vin installer ou même qui c'est et avocat ou bien un monde qui pourrait se Guy Philippe bon côté pas ou estimer que peuple haïtien li paraît pour faire échec avec installation écoute ou pas même besoin de toutefois si conseil la installer li pas capable li pas capable OK moi je sais pas seulement pour empêcher ça mettre. Regardez, révolution, l'idée plan B, l'idée plan C, l'idée plan D. Ok. Nous clair là-dessus. Je dis, on a toujours ces messages-là. Dans qui plan nous là? Dans tout le plan nous là? Nous dans plan B. Nous dans plan B. Nous dans plan B. Nous dans plan B. C'est à plus mauvais que BA, parce que nous, BA, les ont-ils en fragile en pile? Commissariat écrasé, policier mourir. On nous suit parce que nous, mon pays, nous a sauvé. Nous, mon pays qui nous a sauvé. Nous avons pays que nous devons libérer une deuxième fois. Nous avons ce message. Par tout policier qui levait dans le ghetto, qui voulait faire comprendre que 22 000 gouttes ont touché le mois, il va faciliter pour louer une caille, même au niveau d'Elma. C'est dans le ghetto obligé d'être. C'est dans le corridor obligé d'être. C'est ça qui fait que là, on a besoin d'utiliser 50 000 gouttes ou 100 000 gouttes pour aller tuer même les gens qui sont dans la population. Nous avons un message par homme armé pour nous dire tout. Même si nous avons une révolution, permettre peuple à entrer la caille. Moun nous kidnappons, libérons. Laissez pour le peuple haïtien rejoindre nous dans la bataille qu'a fait là pour libérer le pays. Mais, afin de dire que j'ai des dispositions capables, la police n'a même qu'à sécuriser Badelma. La police n'a même qu'à sécuriser le niveau de Chemmas. Vous pensez que, je veux dire, ça qui t'a fait là avec le peuple haïtien, c'est le peuple haïtien qui t'a levé. Dans les gens qui viennent, ça peut être dans le pays. Ouais, blanc tellement qu'on est ça la planifié. Occident, qu'on ça la planifié pour Haïti. On a retiré toutes les soi-disant. Et bien, c'est bien côté mal calculé. Peuple haïtien va le prendre la rue pour faire échec. Avec plein occidental, plein macabre occidental pour le faire Haïti tourner au Nouvelle-Rwanda. Haïti pas tourner au Nouvelle-Rwanda. Haïti pas tourner au Burkina Faso dans le temps. Même si on a fait peuple Sahel a vint comprendre, il a pris des seins, il a mis des têtes dehors, et bien même si on tout, la nature prend offre une opportunité pour nous sortir de la griffe occidentale une fois pour toutes. Très bien. Maître Michel, vous êtes un praticien et du droit, et je veux dire, en même temps que vous faites politique, tout, ensemble, monde qui choisit la, je veux dire,
pour aller dans le conseil présidentiel à 9 membres ou 7 membres et des observateurs. Dès que ça que vous qualifiez, qui j'en ouais moun sa yo, sans doute sous scène politique là, ou connaît figure sa yo, dès qu'ils sont qualifiés yo. Écoute. D'ailleurs, depuis l'entrée de l'entrée nommé Ariel, nous t'es dit, nous parlons de la Constitution. Nous avons toute loi qui est dans la Constitution, nous mettons en virus. Donc, moun sa yo, qui soi-disant fait partie de conseil présidentiel, excusez-moi, présidentiel, j'allais dire, c'est des bouillons réchauffés. C'est même Mounzao qui est toujours servi international. C'est même Mounzao qui est toujours marié dans la table oligarque. C'est même Mounzao qui est toujours marié dans la table soi-disant pays dans CARICOM. Donc, peuple haïtien habitué avec nous. C'est ça que là, on va se mener nous. Comment vous comprenez que je dis que peuple haïtien a demandé santé, éducation, sécurité, manger pour tout le monde, logement, droit ça, c'est le droit qui est inaliénable, c'est le droit qu'on fait avec lui. Ou pas même qu'à garantir droit ça yo. Et puis bon, là pour conseil de 7 membres, pour venir qui ça. 7 membres plus de conseillers. On nous dit qu'on y a là, et 7 cottages. 7 cottages, 2 conseillers, on nous dit 9 cottages. Et 81 machines. Qu'on a pour chaque fois gagné un groupe sécurité ensemble avec nous. Quand on a un budget pour ça. Et si nous disons que pays nous voulons faire. Pour qui ça conseille 7 membres, ça va l'établir dans CARICOM. Si on parle nécessairement au niveau pays CARICOM, nous n'avons pas aucun problème. Si c'est aux États-Unis, son département d'État a voulu faire comprendre ça en ville de serment, nous n'avons pas de problème. Mais on peut être serment au niveau département d'État. Mais si c'est en Haïti, moi-même, frère, qui a parlé ensemble avec moi, Maître Louis Serge Joseph, nous mettons un défi pour le Bintel. Et je veux dire, nous dit, peuple a grandi, nous prenons le pays nous en main, nous prenons destin pays nous en main, d'autres solutions, nous essayons une solution haïtienne. Si on parle de des raisons, ils ont persisté dans la démarche, ça, dans la démarche déloyale, ça. Bon, garantie, au grand mot, les grands remèdes. Vous faites appel avec ensemble monde qui était et bon ensemble des poyo pour commencer à barrer, bon ensemble des frontières. Et pour même vous pensez que c'est une initiative cap facile et autour annoncer tout côté aéroport hier, vous pourrez commencer chaud. C'est donc qui ça va chauffer. Bata de question bien. Vous faites appel avec monde qui était. Oui, Mette Lucien. Allô? Oui, Mette Lucien, attendez-nous. Où là, Mette Lucien? Où attendez-nous? M'attendez-vous là. Très bien. Vous faites appel avec moun qui est dans la zone frontière pour commencer à barrer frontière. Et où tout annoncer là tout, et zone aéroport, vous pouvez vraiment chauffer. Et à partir de qui ça vous chauffer, et moun qui vous demandez, vous faites appel pour bloquer ensemble de frontières, est-ce que vous pensez que son bagage est facile pour vous? Écoute, même son bagage qui est ferme. Là où nous devons liberté nous, en 1804, nous ne pouvons pas gagner un homme nous. D'accord? C'est de ce pays nous que nous devons prendre. Je veux dire, si peuple haïtien voulait libérer, il faut que le prenne de ce nom. Parce que je veux dire, ce n'est pas qu'un groupe qui a victime dans la rue. Ce n'est pas pays même qui a eu victime dans la rue. Mais c'est peuple haïtien qui a gouvernement. C'est peuple haïtien qui a pris balle. C'est peuple haïtien qui n'a pas manger. C'est peuple haïtien qui a pris humiliation, c'est Domingue. C'est peuple haïtien qui a pris humiliation, Mexique, Nicaragua. Donc, je dis un peuple haïtien capable de prendre destin en main. C'est pour l'une des raisons qui fait nous lancer un message là, d'accord? C'est pour empêcher les politiciens de courir dans les frontières pour eux. Parce que ça ne peut pas faire forcing pour eux faire, ils ne peuvent pas mourir dans le courir dans les frontières. Et ça fait nous demander peuple haïtien, tout haïtien qui habite dans la zone frontalière, veille en haut, veille en bas, protéger zone de la caillou pour les politiciens ne pas courir à le cacher. Parce que rêve l'éclair, l'éclair, pour avion si son volé, pour toute frontière fermée, pour Haïti libérée. Ça nous dit biblique. Si on monde pense que l'Ika empêche la prophétie, ça accomplit, nous regrettons ça pour lui. Gédé, mon capitaine de la mère, Lucien Jean-Joseph, il a dit ça, c'est un incitation à la violence faite là. Écoute, les CARICOM, pays même CARICOM, dit que yon persiste dans des manches pour yon vin mette yon moun contre eux et population, c'est pas violence. D'accord? Là, comment on dit ça même? Les quoi groupes yon, décide yon dit, yon emboîte le pas, c'est pas violence. Le département d'État dit que yon persiste pour vin mette moun sa renan fi du peuple haïtien, haïtien pas bien, c'est pas violence.
en nous autres, qu'on a mieux fait nous droit, nous c'est si on veut prendre une incitation à la violence, oui, c'est une incitation à la violence. Si on est capable de mettre nos bras, mettre Lucien, j'ajoute. Maître Lucien. Maître Lucien, Maître Lucien, en pile, l'autre acteur qui a intervenu, qui a gardé Chris Green là, je dis, et c'est ensemble acteur haïtien qui est au responsable parce que le fait quoi c'est une série des acteurs haïtiens Calba et Calcom dicté sont ensemble de monde qui gagne soit qui dans la rue qui était annoncé révolution ou bien qui était toujours dans mobilisation pour que ça c'est pas monde ça aucun premier visé au lieu de et pays ensemble des pays représentants et Calcom yo pour résoudre pays en Haïti avant bon, problème en Haïti avant bon bagage bon dis nous un bagage qui clair nous autres pays nous voulons faire pas parler de Calcom. CARICOM pas pays. OK. Pour un pays, premièrement, faut libre. Faut gagner un peuple. Faut un territoire, faut bon penser. Je dis acheter CARICOM libre, pour pays même CARICOM libre. Mais non. Si pays même CARICOM pas libre, donc nous souhaitons de CARICOM qui libre. C'est pas yo qui nous dit nous qui ça pour nous faire. Pas oublier que politique c'est ça yo. Où est qui courir à Chita avec soi-disant pays qui n'a CARICOM yo. Où yo dit que mais des critères qui pour gagner pour nos monde président et en Haïti. Est-ce que on ka bay CARICOM l'autre za la kali? Mais non. Si nous pas ka passer l'autre la kali pays même CARICOM yo. Pas oublier que accord nous signé avec seulement c'est un accord de coopération économique. Nous va dire que l'autre lié ensemble avec yo encore. Yo pa gen droit pou yo foue bouche nan dossier pays. Politisyen sa yo mwen di ke peuple haïtien gen ta konnen yo, peuple haïtien prepare pou yo, peuple haïtien di ke nan révolution sa pral gen la. Si yo pense ke yo ka vin vann peyi avèk international la, pou yo facilite bloc occidental la, vin piye tout richesse ke nou gen nan sous-sol nou, peuple haïtien grandi, yo di se bien konté, mal calculé. Ensemble volume, dernier mouvement reprendé dans le pays, il portait des graves problèmes économiques et crise alimentaire à la augmenter. Dans la dernière appellation qu'on fait là pour bloquer port, bloquer aéroport, ou pas imaginer ensemble de mounes qui peut-être couché sous cabane de l'hôpital, qui pral connaît des situations très difficiles parce qu'en pile dans yo abandonné dans l'hôpital. Et gain qui la caillou tout qui pas qu'à sortir suite avec violence qui a fait taille. Nous-mêmes qui dans mouvement ou dans la rue. Nous pas imaginer créer un couloir humanitaire qui peut permettre que nous survivre. Peuple haïtien déjà pas vivre. Personne n'a dit que peuple haïtien vivre. Peuple haïtien déjà condamné, peuple haïtien en prison. Il est en prison oligarque, il est en prison bourgeois corrompu, il est en prison politicien véreux, politicien malfagoté, politicien qui a fait politique d'inaventure. Peuple haïtien déjà en prison quoi coup. Peuple haïtien déjà en prison monde occidental. Mais s'il le faut, vous le libérez. Donc, pendant que est en prison, son seul bataille que la vie, pas bien 1804, nous avons créé un couloir humanitaire. Nous avons dit notre régime et nous bataillons pour nous faire liberté. Et mon liberté, c'est ça que nous avons écrit. C'est le premier peuple noir qui a fait ça à travers le monde. Je veux dire, peuple haïtien comprenne ça. C'est ça que fait que, dans plus de journalistes, c'est eux, qui ont essayé de manipuler l'opinion publique. On peut attendre que les gens disent, à chaque fois nous parlons de l'incitation à la violence, à chaque fois que nous parlons, on dit que, bon, nous ne voulons pas le peuple là, il y a une activité. Mais je dis, l'école qui n'a pas fonctionné, c'est pas bon, dis-nous que. L'hôpital qui n'a pas de monde, qui n'a pas accès à soins, c'est pas bon, dis-nous, c'est politicien. Les gens qui n'a pas accès à la nourriture, droit au logement, c'est responsabilité de l'État. D'accord? Là où l'État faille à mission, il faut qu'il y ait la désobéissance civile. Et c'est désobéissance civile ça qui a conduit avec une autre liberté. Si la communauté occidentale a voulu aider Haïti, effectivement, j'ai toujours prétendu. Son seul bagage pour le faire. Quitter le peuple haïtien, choisir le monde que lui flaire. Quitter le peuple haïtien, prendre destin en main, prendre destin pays en main. Yo même yo jouer seulement doué rôle observateur. Yo pas gagne pour rentrer dans dossier pays. Si yo continue dans démarche ça, je dis c'est eux même qui mettent peuple haïtien en prison. C'est pas nous autres qui bataille pour au moins changer condition pays nous, mais c'est eux même qui mettent peuple haïtien côté que il y a là.
Kounya là, si nous regardons M. Lucien Jean-Joseph, puisqu'il a montré que responsabilité de situation qui a passé là, il puisse venir avec acteur politique nous yo, mais dans la réalité, n'a regardé là, au cas d'ici, j'aimerais la vie empirer là, c'est n'est qui gagne amis nan mais qui empêcher ensemble bagarre fonctionner dans le pays et ceci dit en plus monde pas fonctionner, en plus monde victime de action nek sa yo, qui peut-être gagne de bras caché derrière yo. Mais je tiens M. Lucien Jean-Joseph comme avocat Guy Philippe, m'a regardé ça ensemble avec vous et ou tendez clairement que comment ça a fait dans la rien sur réseau an, nan de médias en ligne, de médias traditionnels, il y a tiré à boulet rouge sous Guy Philippe qui parlait de question amnistie pour monsieur qui gazam nan meyo une fois que l'ivé dans tête pays. Ça en pile moun et lapide Guy Philippe dans question ça. Selon même Lucien Jean-Joseph, est-ce qu'on est rivé Guy Philippe au pouvoir ou bien équipe li ta propre pouvoir pour dire la mené bak pays? Est-ce qu'on est qui gazam nan meyo? Nous devons chita avec négocier avec alors discuter avec pour solution problème nan et mettez pour amnistie amnistie yo. Écoute, frère, dans tout pays au monde, on pas capable de mener une lutte de fratricide. Je dis, M. Armé, ça nous met les gangs, il occupe 80% de territoire. Nous. Est-ce que vous pouvez mener une lutte armée contre vous, ou bien vous pouvez chita pour essayer de vous désarmer pacifiquement? Et bien, c'est vous l'une des raisons qui font Guy Philippe qui a parlé d'amnistie. Moun qui a manipulé l'opinion publique, qui n'a pas même une vraie définition d'amnistie, c'est tout à fait normal pour y tirer à boulet rouge sur Guy Philippe. Mais amnistie, il y a des principes, il y a des balises, il y a des conditions. Est-ce que nous disons que nous allons aller pour nous assassiner pour nous mettre dans le même pays? C'est pas quelque chose facile, parce que pas oublier que les armes ne sont pas où mettre dans le même pays. C'est la communauté occidentale qui mettait dans le même pays. Ça nous tout d'accord. C'est quoi groupe qui mettait dans le même pays? C'est oligarque corrompu qui mettait dans le même pays. C'est politiciens véreux qui mettait dans le même pays. Nous te mettons dans le pays juste pour nous attaquer le territoire. Pour nous empêcher le peuple à manifester. Mais c'est difficile pour reprendre le nom. Ou pas reprendre le nom qui sont pas l'assassiner. Je veux dire, est-ce qu'on connaît bien plus de bandits que policiers? N'est-ce qu'on plus bien armé que policiers? Si ce n'est pas amnistie, pour parler, pour nous chiter ensemble avec nous. Pour nous, il y a des spécialistes qui sont dans deux universités.